Bienvenue, bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Je vais d'abord me présenter. Voilà, mon nom c'est Tito Vitekéta, mon nom de famille. My name is Tito. Voilà. Je suis un manager culturel. Voilà, d'abord, je suis originaire du Congo, pour commencer. I'm originally from Congo and I'm a cultural manager. Oui, voilà, j'ai étudié la gestion des projets culturels dans mon pays d'origine. So I studied in Congo the management of cultural projects. Ah, pour finir, j'anime un podcast sur l'histoire de la culture urbaine dans l'histoire du mouvement hip-hop au Congo. So I animate a podcast about culture and history of music, hip-hop music in Congo. Et c'est de là qu'on va se focaliser, c'est là qu'on va parler. So we will focus and discuss about this now. Et pour plus d'informations me concernant, les gens peuvent aller sur mon site pour voir les informations. And if you want more information, you can also go on the website. Yeah. Voilà, on est en 1974 au Congo Kinshasa. 1974 in Congo Kinshasa. Voilà. Et en cette période-là, le pays s'appelait le Zaïre, ça s'appelait pas le Congo. Donc, in this period, the country was not called the Congo, it was called the Zaïre. D'accord. On est toujours en 74. Aux États-Unis viendra le champion du monde de poids lourd, champion du monde de boxe de poids lourd, devait s'organiser et les organisateurs cherchaient où le faire. So in 74, they were looking for a place to organize a world championship of box. Mobutu et Donkin King, ils ont été des organisateurs principaux de cet événement et ils ont ramené le combat au Congo. Et voilà l'affiche. So Mobutu and Donkin King were the organizers of this event and they decided to organize it in Congo. And this is the poster of the match. Voilà, donc ça s'appelait, c'est pour ça que ça s'appelait The Rumble in Jungle. This is the name of the match. Et on appelle ça également le combat du siècle, parce que c'est resté vraiment ancré dans les annales, dans l'histoire. So in the box history, it's called the match of the century, because it's really important. Il y avait des journalistes américains qui sont arrivés au Zaïre à l'époque. Mm-hmm. Beaucoup de gens ont voyagé pour venir voir l'événement. Journalists from America and a lot of people were traveling across Congo just to see the match. Voilà. Je vais revenir un peu ici, épingler un détail. Mohamed Ali, à l'époque, ce boxeur, à l'époque, il était très connu parce que c'est quelqu'un qui prônait, il était un militant pour le droit de Noirs, des Afro-Américains aux États-Unis. Et Mobutu savait que ce combat allait être quelque chose qui allait, sur le plan international, allait donner quelque chose par rapport à sa politique. Mm-hmm. So Mohamed Ali was invited to the game because Mobutu knew he was really politically engaged for the rights of people in America and he wanted to bring this back in Congo. So the game, the box game, really was made also to have a political impact on people's mind. More specifically, Muhammad Ali was standing up for the rights of African Americans living in the United States at the time. Tac, vale. Voilà. Maintenant, le combat de boxe était précédé d'un festival de musique dans le line-up de programmation avait comme artistes des musiciens très influents, les superstars de l'époque. Donc c'était des Américains et des superstars africains et sud-américains. So a music festival was organized just after the match and it was with
really influent superstars of music from America, but also from Congo and South America. Africa. Pas seulement le Congo, mais okay, l'Afrique. Not only Congo, but Africa. Voilà. Voilà. Et en ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle il y a eu une influence de la culture américaine qui a grandi au sein de la population zaïroise. So this is how American culture was brought in Congo and the Zaïroise, yes, population, and how they mix also a little bit of the music, how they discovered it and how it was going back there. Donc, c'est important que les gens comprennent cette connexion entre les États-Unis et le Zaïre, mais aussi l'Afrique. Donc, voilà, elle, c'est Myriam Makeba, c'est une légende de la musique sud-africaine. C'est une diva. She's a diva, the legend of the African music. Ici, c'est Celia Cruz, qui était une sud-américaine, je me rappelle pas très bien, mais elle était... C'était une superstar américaine. Cuba. Oh. Yeah, from Cuba. Elle est cubaine. From Cuba. And she's a superstar. Okay. Yeah. Et là-bas, c'est James Bond. Tout le monde le connaît, James Bond. Le roi de la soul. The king of soul. Mais c'est important pour moi de signaler pourquoi je parle de cette période. Parce que une année avant, comme j'ai écrit ici, une année avant, il y a eu la naissance du hip-hop aux États-Unis. Mm-hmm. So it's important to notice that one year before, the hip-hop was born in the United States. En 73, la naissance du hip-hop. Donc aujourd'hui, en août, on fête le 50 ans du hip-hop. Okay, in August this year, it's 50 years of hip-hop. Donc voilà, les DJs seront... va être les pionniers du mouvement hip-hop aux États-Unis et au Zaïre en même temps. So the DJs will be the pioneers of the hip-hop movement in United States, but also in Zaïre. Voilà. Maintenant, c'est important de signaler que nous, au Zaïre, comme on était dans une dictature, je reste ici, comme on était dans une dictature, c'est pas tout le monde qui avait accès à la culture hip-hop. So because of the dictatorship in Zaire, it was not easy for everyone to have access to the hip-hop music. Hip-hop culture. Yeah. Déjà, on est dans les années 80, donc les pays commencent à se dégrader un peu. L'économie ne marche plus bien, les gens ne sont pas bien payés et tout ça. Et puis, il n'y a plus de middle class en fait. So, in the 80s, the economical situation is really falling down and there is no middle class anymore. So, big gap between class. Donc du coup, les gens qui pouvaient écouter du hip-hop, enfin à l'époque c'était pas du hip-hop comme culture, oui, mais en fait, il y a ce qu'on appelle la musique qui était diffusée par les DJ. Les DJ et les MC en fait, travaillaient sur ce qu'on appelait du R&B, du soul et du funk à l'époque. On parlait pas encore du rap. Ok, so yeah, people were not talking yet about rap. They were DJ and MC were talking about R&B, soul, funky. And funk, yeah. Yeah. Donc au Congo, tout ceci se passe seulement dans des milieux très fermés. So it's only in really closed areas. Et c'est les gens la classe supérieure qui ont accès à ces gens de... So it's only the upper class which can go and have access to this music and this culture. Et on aura dans les années 80 la naissance de la danse comme discipline hip-hop. So it's in the 80s that dance
movement will start and that it will be... It becomes a discipline, something that you actually do. Et voilà. Et les danseurs, en fait, les Aïrois à l'époque, c'est toujours des jeunes qui sont issus d'une classe supérieure. Donc c'est eux qui ont accès à des vidéos qui viennent de l'extérieur. Ils ont accès on n'avait qu'une seule chaîne de télé, une chaîne de radio et un seul journal. Donc les gens consommaient de la musique et ou allaient danser dans des endroits VIP, mais aussi dans des écoles, VIP, si on peut le dire comme ça, donc les écoles américaines, les écoles françaises, les écoles belges. So people at this time only had one TV channel, one radio channel, only one newspaper also. It was really close for the culture to emerge, and so it's only the upper class people who can have access to culture from outside, because they were in some VIP places, such as American schools, for example, or they could have DVD or videos from the external world, if I can say like this, and they can bring it back there. Yeah. Also, Belgian and French schools. Yeah. Mm. Donc voilà. Par exemple, cette photo, ce sont considérés comme des pionniers de la danse, danse hip-hop, au niveau de Zaïre. Et cette photo a été prise à l'école américaine, TASOP, je pense. So, those are the pioneers of the dance movement, and the picture was taken in the... Dans un disco, c'était une soirée. À l'école américaine. It was in a disco party in an American school. In Kinshasa. Et voilà, les danses qui étaient pratiquées à l'époque, c'était du Smurf, de Looking, Breakdance, Disco Robot. On se rappelle un peu des clips de Michael Jackson où les gens dansaient un peu comme des robots et tout ça. Disco Robot. Et puis chicken dance. So those are the dance routes were practiced at this time, and we can think about the clip of Michael Jackson also with this kind of robotical dance. Yeah. Yeah. Voilà. Toujours au cours des années 80, il y a une migration des danseurs vers le rap. C'est-à-dire le rap. Je pense que le rap avait déjà commencé au niveau des États-Unis, mais ici chez nous, je pense que c'est arrivé vers dans les années 80 et les danseurs en fait commençaient à se convertir pour devenir des rappeurs. So maybe in the 80s, the rap started a little bit before in the United States, but at this time it started in Congo, Zaire, and it was created by the dancers. The dancers started then to go into rap. Bien. Est-ce que les gens comprennent bien? Voilà. Et comme je disais que le pays était un peu fermé, c'était pas vraiment très ouvert. Et la culture hip-hop en soi, y compris les disciplines qui est incluse, avait du mal à s'imposer au niveau de la population locale. So as it was very closed country, the different disciplines and this music had really struggled to expand and to take its place on.
Là, je suis en train de parler des difficultés du rap. Dans les années 80, il y a eu des gens qui commençaient vraiment à se moquer des artistes hip-hop, des gens qui dansaient, ou des DJ, en fait, tout ce qui était qualifié comme culture hip-hop a eu une répression. En fait. So about the difficulties of the rap, it was in the 80s people started to make fun of this music and of this movement. They received a lot of mean jokes. Voilà. En 82, Michael Jackson sort un album. Je donne un exemple. Hein, c'est un exemple. En 82, Michael Jackson sort l'album Thriller, je pense. Et dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Beat It qui sort. Et ça, c'était un tube à l'époque. Et moi, je me rappelle qu'il y avait des gens qui utilisaient le titre Beat It. En anglais, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Et ils disaient James Pillay. Et c'était pour qualifier en fait, les gens qui faisaient du hip-hop, pour se moquer en fait. So as an example, you remember that in 82, Michael Jackson made the album Thriller, and people in Zaire started to use the name of the song Bill It. They couldn't pronounce it so well, so it was more like John Spill It. Spill It, or something like this. And it was used as an insult to qualify the person who were doing the rap and hip-hop. Mais après, il y a eu d'autres qualificatifs pour insulter les artistes hip-hop, mais tous les gens qui les fans, en fait, tous les adeptes en fait de cette culture. So it's one insult among many others. Voilà. Mais aussi, je pense qu'ils avaient aussi du mal à avoir des scènes pour performer. Il n'y avait pas de scène hip-hop. There was no hip-hop stage. They really struggled to find places where they can play the music. Seulement quelques boîtes de nuit ou des écoles qui accueillaient en fait des événements hip-hop. Only some clubs or schools who could welcome this kind of event. Après, il y a un seul monsieur à l'époque qui avait cru, en fait, on est dans les années 80, qui avait cru à ce mouvement. Après, c'est parce que ses enfants sont aussi des gens considérés comme des pionniers du mouvement hip-hop. Il est mort cette année. Il s'appelait Verkis. Il a un empire, il a tout un label au Congo, il s'appelle VV Center. C'est lui qui, à l'époque, donnait en fait son espace, parce qu'il y avait une boîte de nuit, Et plein d'autres activités. Donc, et du coup, les jeunes et ses enfants y compris organisaient en fait des discos chez lui et des concours de danse. There is only one guy, Verkis, who believed in this music, and because of his children, because they were playing the music, so he organized. Non, c'était des danseurs. C'était des danseurs à l'époque. C'était encore des danseurs. Sorry, it was not people playing music, but dancers. And so he wanted to support them, so he. Il a donné son espace pour qu'ils organisent leur truc. Gave the house, for example, to organize parties or events. Il faut préciser qu'il avait un label de musique, donc il avait un empire de. Il avait un monsieur puissant. Yeah. So he was a powerful man because he had the music label, and so he could. He was powerful about music. Yeah. Mais lui, c'était un producteur de la musique rumba. He was a rumba music producer. Il n'avait rien à voir avec le hip-hop. Nothing to do with hip-hop. Voilà, c'est important de le préciser. Et dans mon podcast, j'ai un épisode que j'ai consacré pour le monsieur. So there was an episode on his podcast about this guy. Voilà. On est dans les années 80. Non, 90, pardon. Proceed. On est dans les années 90. Il y a des jeunes. Un groupe de jeunes issus d'un quartier. VIP du Congo, le quartier s'appelait Fatima.
So yeah, in the 90s, there was a group of young people from a VIP neighborhood area. Voilà, ils arrêtent avec la danse et puis ils vont commencer à rapper. So they stopped with dance and started rapping. Voilà. Et ils ont, comme ils venaient d'une classe supérieure, donc ils ont eu beaucoup plus de moyens et ils sont allés en studio et ils ont réalisé la toute première vidéo hip-hop, clip. So they realized the first hip-hop video because they had a lot more resources to do it. Wow. They were from this hip-hop class. Et le groupe s'appelle effectivement Fatima CIA. This is the name of the group, Fatima CIA. Donc Fatima comme leur quartier. Fatima as a neighborhood. Et puis CIA, je pense que j'ai oublié les initiales, mais ça doit être j'ai oublié. J'ai oublié, mais c'est quelque chose, c'est intellect afro. J'ai oublié les C en fait, ça va arriver. Je parlerai de ça. Voilà. Ces jeunes, ils vont révolutionner les choses. Donc, ça sera le premier groupe officiel hip-hop. Mais c'est pas, il y a un débat. C'est pas eux qui sont des premiers rappeurs, mais ils vont être officiellement reconnus comme des premiers rappeurs pour avoir été médiatisés. So there is a debate because they are not the first rapper band, but officially they are because they are the first being produced and mediatized. Yeah, they were the first group to be allowed to show a clip of their rap music on national television. Yeah. Donc c'est pour ça qu'on leur donne ce crédit. Et c'est des gens, comme je disais, ils sont vraiment issus des quartiers VIP. Moi, quand je parle avec, parce que c'est des gens que je connais, quand je parle avec le leader du groupe Bimon, par exemple, lui, il m'a dit un jour que eux, ils dansaient, quand ils étaient encore des danseurs, ils dansaient avec les enfants du président. Le président du Zaïre. Ouais, le président du Zaïre. Okay, so he knows the leader. The leader from the group, and he was saying to him that when he used to dance before rapping, he was dancing with the children of Mobutu, the president of the country. Donc c'était vraiment des gens. So yeah, it was really the purpose. Voilà. Et ils ont été appuyés même par les enfants du président à l'époque et tous les entourages des gosses, des riches, des ministres, des militaires. Mm-hmm. Ils avaient tout l'arsenal autour de. Minister, so they were pushed also by this environment and surrounding people because children from the ministers and military people also were supporting this culture. Voilà. Mais aussi ils ont eu un impact important déjà parce qu'il n'y avait pas d'autres médias. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télé et à l'époque c'était que des musiciens qui faisaient de la rumba qui passaient dans des médias, voilà. Mais il n'y avait pas de rappeurs qui passaient, il n'y avait personne qui pouvait passer parce que c'était vraiment, tu vois, t'es qui en fait pour passer à la télé. Donc, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et eux, ils ont réussi à casser ça. C'est pour ça qu'ils sont reconnus en fait comme des pionniers. So it was really a revolution because before only rumba players were allowed to go on the TV and there was only one channel and Anna was the first one. It's a full revolution and people were a bit like, but who are you to go on the TV? Who are you from? And so this is really starting something about this culture. Voilà, et on est toujours dans les années 80-90, il y a la fin de la guerre froide. At the end of the 90s, there was the end of the Cold War. Le président Mobutu n'était plus vraiment utile, parce que voilà, avec son jeu de prostitution entre le... entre les Occidentaux et le comment on l'appelle,
les communistes, les marchés, c'était plus, il était plus utile. Mm. So the President Mobutu was not really useful anymore because his little game between the West and the East was not working. On n'avait plus besoin de lui. People didn't need it anymore. Voilà. Donc et le pays était voilà les pays étaient il a commencé à se fatiguer, du coup il a compris que c'était le moment en fait de démocratiser le pays. He started to be quite tired, so he knew it was the time to democratize the country. Voilà. Et il a fait ce qu'on appelle il a autorisé le multipartisme, par exemple. Multipartisme. Donc, il y avait plusieurs partis politiques. Ah. Parce qu'avant il n'y en avait pas. Okay, so he allowed during the election to have several parties. Et puis il a ouvert le média, donc du coup il y a eu d'autres chaînes télé et les journaux qui ont commencé à exercer. He opened also the media, so new TV channels, new newspapers. It was expanding. Also. Voilà. Et on a eu la première chaîne privée qui s'appelait Antenne A. The first private channel was called Antenne A. Voilà. Et ils ont un monsieur a eu une idée de génie. Pour faire un TV show qui était focalisé uniquement sur la culture hip hop ou la culture urbaine. So a guy has this crazy idea of making a TV show about hip hop culture. Voilà. Et le monsieur, il s'appelle General Funky. He's General Funky. Et le TV show, ça s'appelait Club Funky. And the TV show is called Club Funky. Donc lui, il a donné une plateforme. Voilà. C'était une plateforme, c'était devenu une plateforme pour les artistes. So it gave some space for the artists also to show. Voilà. Voilà, il a commencé la promotion, et du coup on a remarqué qu'il y avait une prolifération de groupes hip-hop, les R&B aussi et tous les gens. So hip-hop and R&B group was proliferating. Proliférer donc. Yeah. C'est expanding. Ah, it started expanding. The scene for all these different genres of music started expanding because of this TV show. Yeah. On a eu le premier groupe hip hop féminin. The first female band. Voilà. Ils ont commencé en cette période là. Ils s'appelaient les New Mama. The New Mama. Voilà. C'était une bande de filles, un groupe de 25 filles, je pense. 25 girls. Qui dansaient et puis qui rappaient. Voilà. Bah, maintenant, ils sont des grandes mères aujourd'hui. Ils ont des petits enfants, ils sont au Congo, en Brésil, en France aussi, je pense. Ils sont un peu séparés. Voilà. Quoi encore? Voilà. Les artistes ont commencé à se produire au niveau international en ce moment-là. Donc en 1999, il y a eu le premier groupe hip-hop qui s'est produit, qui s'est exporté pour un concert en Belgique. À la Madeleine. So in 1999, the first group was going out of the country and produced in Belgium. Mm-hmm. Et le groupe, ça s'appelait Street Sound. And the group was called Street Sound. Voilà. Donc, c'était une période importante, mais aussi, on a eu... voilà. Il y a eu une démocratisation, comme je disais précédemment, de cette culture, tout le monde pouvait avoir accès, mais aussi les artistes vers les années 2000, parce que j'ai parlé de 99 où le premier groupe s'exporte, et quand on arrive en 2000, les artistes hip-hop, ils ont compris en fait que c'était important en fait de fédérer tout le public, que ce soit les amateurs ou les mélomanes du hip-hop, mais aussi d'autres publics qui écoutent la rumba, le ndombolo, le sembel, tout ça,
ils voulaient les fédérer et ils ont créé un style, une identité musicale. Ils ont créé ce que je peux appeler une musique intermédiaire. Tu peux le synthétiser. They made. Basically, after this first export in 1999, a lot of the hip hop culture in Zaire realized that there was an open space to combine hip hop with rumba, which is Zaire's own style of music and culture, and have that together as an export to make them stand out. Wow. Donc on a eu la naissance de plusieurs styles d'identité, les RPK, les noms, il y en a plusieurs. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire écouter en fait quelques morceaux. So new music style emerged and he will make us hear some sounds. On va voir. L'idée de ce que c'est le rap congolais. It's an example to give you an idea of the unique rap. Je pourrais mettre beaucoup de chansons, mais je pense que ça va, on va perdre le focus. Okay. Les gens sont en train de partir. So he could put a lot of songs, but if he does, he will lose a bit of the focus. So. Voilà. Il y a eu beaucoup de mélanges avec des... En tout cas, les rappeurs, ils ont commencé à utiliser beaucoup de la musique congolaise, la rumba, le seben et tout ça pour mixer, pour créer des styles, en fait, pour créer des identités beaucoup plus appropriées quoi, pour le public. So rappers started to use rumba music and other style, traditional style of music to... Pour fédérer le public. To make the public stick together and to bring people. Yeah, voilà quelques photos des vieux photos des rappeurs dans les années des années 90. Ils sont toujours au Congo. Eux, ils sont en France, les deux. Et ils sont au Congo et ils sont en Grande-Bretagne. So rappers from the 90s, some are in Congo, in France or in Great Britain. Voilà. Et quand je parlais de création de style, et ils ont créé aussi un style qui s'appelait le RPK à l'époque, rap pur quinois. They created a style of music which is called RPK. Mm-hmm. Rap pure quinoa. So rap pure quinoa is quinoa is referring to the people in Kinshasa. Yeah. Those people are called quinoa, and pure as in it's dedicated to just their culture. Yeah. Voilà. On parle maintenant de l'R&B. L'R&B c'est un genre de musique qui est arrivé au Congo en retard. Donc, aux États-Unis, c'est quelque chose qui a déjà été avant et tout ça. Mais comme nous, on a eu un petit gap à cause des sons, voilà, à cause des médias, on n'avait pas accès aux médias. Donc, ça a fait que le R&B est arrivé ou a commencé à se faire vraiment sentir, être consommé, exploité par les artistes congolais vers les années 90. So because of the media, R&B arrived quite late in Zaire. It arrived in the 90s. Ça arrivait en 90 quoi, pratiquement. Et puis quoi? Le monsieur que vous voyez aux photos, il s'appelle Jean-Michel Lanco. C'était mon voisin. Jean-Michel Lanco on the picture was his neighbor. C'est le tout premier. C'est le tout premier artiste R&B au Congo. So he was the first R&B artist in Congo. Et cette photo, c'est une des performances qu'il a fait à l'hôtel. À l'époque, ça s'appelait le Salon Zaïre. C'est une grande hôtel au Congo.
Et c'était à l'occasion d'un, je pense que c'était à l'occasion d'un défilé de mode, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Mais c'était vraiment un grand show. Et c'est là qu'il a pris cette photo. Il performed in a hotel for mode défilé. Yes. Voilà. Voilà, c'est important. Mais après, après lui, il y a eu d'autres groupes comme des d'autres groupes R&B qui ont apparu à l'image de voilà, il y avait des formats des groupes comme des Boyz II Men au Congo où il y a quatre garçons ou cinq garçons qui chantaient tout ça avec des différentes voix, différents timbres vocaux. So different R&B groups emerged like four boys bands. Boyz II Men, les gens connaissent Boyz II Men comme groupe. Yeah. Voilà. On va parler maintenant de la nouvelle génération. La nouvelle génération congolaise dans le hip-hop, en fait, c'est des gens qui viennent, ils viennent trouver déjà quelque chose qui est consistant, qui est assis. C'est-à-dire la culture hip-hop. C'est déjà bien installé. The new generation wanted to create a style of hip-hop that was consistent to the old or to just consistent in general. Ouais, en général. Après, ils ont trouvé des bases, c'est ce que je voulais dire, ils ont déjà trouvé des bases que leurs prédécesseurs avaient bâties. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux de, comment je peux dire, d'accomplir en fait, d'acheminer ce que les prédécesseurs avaient commencé. So they had the base of the movement, so it was really more easy for them to pursue something. Voilà. Mais c'est important de signaler que le rap, des rappeurs, je parle uniquement des rappeurs, c'est des gens qui ont été actifs d'une manière ou d'une autre au niveau politique au Congo. So rappers were politically active in Congo. It's really important to say it. Voilà. Même les Fatima Seyel que j'ai parlé ici, ils ont fait une chanson qui s'appelait Septembre Noir en 80, en combien? Biscratch, c'est ça, en combien? En 84, je pense, quelque part là. Ils ont fait une chanson, en fait, qui dénonçait, en fait, un événement qui s'est produit au Congo. Tu peux traduire, je vais en 84, Fatima Seyel, they made a song about an event which happened in Congo. C'était un événement politique. On a eu, comme je disais, le président n'arrivait plus à gérer le pays. Économiquement, c'était le chaos. Mm-hmm. Il y a eu ce qu'on appelle un pillage général au pays. Les militaires se sont révoltés. Ils ont commencé à casser des entreprises, des usines, des boutiques pour prendre tout ce qui était là. So there was a big robbery. It was a big riot through done by, I think the year was actually 94, right? Yeah. Il y avait deux, un en 91 et puis un autre en 94. On parle de ce qui est de 94. And so there were two of these riots by the military. And they would go to the city and they would loot a bunch of shops and they would take a bunch of things. Loot. It was called, the song was called Black September. Yeah. And that's the song that this group had voilà. made at this time. Donc justement, c'était pour dénoncer la gestion de la politique de l'époque. It was made to denounce the, you know, policy at this time, yeah, and how the president was dealing with society. Donc pour dire que même si eux c'était des gens qui étaient issus d'une classe sociale importante et privilégiée, mais ils avaient toujours cette mindset de rappeur où
qu'il devrait parler. C'était comme un devoir, quoi, qu'il devrait dénoncer certaines choses. Okay, if they, even if they were on the upper class, the other rappers, they had in mind that it was really important to spread messages about political issues or social issues in general, and they were very conscious about it, and it was kind of a duty for them to spread those messages. Yeah, donc. Et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc les artistes aujourd'hui qu'on a, ils évoluent dans le même sens. It's still happening today, and the artists today are still evolving in terms of direction. Aujourd'hui, on a des artistes qui vont dans des, qui sont invités dans des médias, dans des plateaux, des journaux télé congolais, pour parler de la politique. Oh. Ils dénoncent des choses, ils parlent clairement des choses politiques. So today, artists from this cultural movement, they are inviting in TV shows or on the media to talk about political and social issues. Il y a même certains qui sont engagés directement dans la politique. C'est des gens qui travaillent en fait. Ils sont dans des partis politiques. Ils ont des postes. Ils travaillent. Some of them are even working in the politics. Voilà. Donc c'était important de le souligner, et aussi je devrais signaler ici que les artistes aujourd'hui qui les rappeurs aujourd'hui qui contrôlent l'industrie musicale française, toi tu viens de la France, ce sont des Congolais. So the artists that are in control of the French music in Congo are French music industry. The French music industry are Congolese. Voilà. Donc c'est eux qui font de grosses salles, font des stades mm-hmm. en France. They are the most influent. Voilà. Là on peut citer des artistes comme Maître Gims. Comment on peut dire, Damso, il n'est pas français mais il n'est pas en France mais il est en Suisse. Il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui sont, voilà, c'est eux qui contrôlent en fait le rap français, quoi. Le rap francophone. Yeah, so many artists which have the monopoly of the French rap. Ce sont des Congolais. Ou ah, Congolais. Voilà. Quoi est-ce que je dois parler encore ici? Je parle de nouveaux concepts. Je parlais, ouais. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Do you have any questions? Oui, j'ai une question. Vas-y. Ouais, je voudrais savoir si quand les hip-hop est arrivé au Congo, s'il y avait des résistances de la gauche. Et je demande ça parce qu'au Brésil, plus ou moins dans le même temps, la gauche brésilienne était contre l'influence américaine et aussi des instruments et la musique électronique pour protéger la culture nationale. Donc je ne sais pas si au Congo, s'il y avait un pur contre la musique électronique, le hip-hop, pour protéger la musique nationale ou la culture africaine pré-coloniale. Il faut traduire pour les gens qui parlent français. So you wonder if in Congo there was people against the American culture. Yeah, against American culture. Yeah, because if there was like any resistance from people in Congo against hip-hop music, since it was like something coming from the US and was also like electronic music, and if it was like a way to protect national culture. Moi j'ai compris la question, je me demande si les autres en fait ils ont compris la question. Moi j'ai compris, avant de répondre, je voulais comprendre si les autres ils ont compris la question. Did you understand the question? Yeah. Ok, voilà. Donc, non, je pense pas que c'était une question, je pense pas que politiquement, on ne voulait pas que le hip-hop s'impose au Congo. Je ne pense pas. Je pense que c'était une question d'identité culturelle, beaucoup plus en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de masse. La population congolaise n'était pas réceptible. C'est ça qu'on dit ? Ils n'étaient pas réceptifs à d'autres cultures musicales. Parce qu'on a une grande culture musicale, on a toujours la rumba, qui date depuis des années 30 et que ça marche très bien.
Donc, dans les années 40, jusque dans les années 70, même 80, le Congo était, la rumba congolaise était définie comme la musique africaine le plus populaire. So it was maybe more not such a political issue, but more a cultural issue, because people in Congo had already this music culture with the rumba, and it was really well implemented into the traditions. And so maybe they were not so receptive about this new culture coming. Maybe they were not so welcoming about it because they already had the. Ouais, donc je pense que c'était ça en fait. Il y avait. Et après, je pense pas que les politiciens, eux en soi, avaient un problème avec ça. Je pense que c'était beaucoup plus du fait. C'était la population eux-mêmes qui n'était pas vraiment chaud en fait pour. Pour écouter autre chose, quoi, pour adapter autre chose. Donc, moi, je me rappelle des interviews d'autres artistes africains, comme Manu Dibango, que j'ai cité. Lui, il décrit le Congo, le Zaïre, à l'époque, c'est-à-dire les années 70-80, comme il disait que c'était comme le Broadway de l'Afrique, quoi. C'est-à-dire, sachant que le Broadway, à l'époque, c'était le carrefour de la musique mondiale. On trouvait des jazzmen les plus populaires du monde, des gens qui faisaient du blues. En fait, le Congo, le Kinshasa, c'était comme le Broadway à l'époque. Manu Dibango described Congo as the Broadway, and Broadway was really the place where music was centralized and you could find the most influential artists, bluesmen and jazzmen also. Yeah, if you like we see the hip hop, the beginning in the States, but it's the black people music, you know. When they came to Africa, mm-hmm. I think it's like it just came back home, and it was a little bit hard to be against that culture, even the dance, all that things, African things. Because the States, when African was slave, they was using to sing, they were using to rap, to write a poem, all of that. And I think when they came to Africa, and they don't think we can guess that because African people, they are most open, you know, and they welcome that culture and voice. Yeah. Maintenant, ma question est celle-ci. Vas-y. Pourquoi vraiment vous avez choisi l'hip-hop? Parce que la culture congolaise est ouverte, comme on venait de dire, il y a la rumba, il y a beaucoup de choses. Mm. Mais pourquoi vous avez choisi seulement l'hip-hop, les rappeurs arrivés en parler? Et quel est l'impact positif que vous attendez? On sait que votre message sera. C'est simple, moi, comment ce contact, cette connexion avec la culture hip-hop, grâce, quand je dis nous, c'est-à-dire moi, grâce aux aînés qui habitaient dans les environs, et eux, ils étaient déjà des gens qui pratiquaient soit la danse, soit ils étaient des DJ. Je donne des exemples, donc très clairement j'ai parlé de Jean-Michel Lanco qui est un précurseur de R&B. C'était un vieux, un grand frère qui habitait derrière l'avenue derrière moi. Il y a des groupes comme Baouta King qui sont des Baroumou, là où je suis né. Plus récemment il y a des artistes comme Lexus qui viennent des Baroumou. Il y a plein des messieurs, des danseurs comme Gilles Badel Bokota qui est un des précurseurs des discos, chicken dance, j'en parle en fait dans mon podcast. C'est d'ailleurs lui par exemple qui a enseigné des artistes comme il a travaillé avec des artistes comme King Kester Emene, hein. Il lui donnait des pas de danse, des chicken dance. C'est pour ça que les gens qui connaissent l'époque, ils vont voir que ils vont remarquer dans l'album dans certains albums de King Kester, d'abord, il y a des sonorités funk, R&B à l'intérieur, si on parle d'Nzinzi, ou l'album comme, comment ça s'appelle, Everybody. Dans ces albums-là, quand tu écoutes vraiment,
tu écoutes du funk, tu écoutes des trucs américains. Et tu vas voir aussi dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de danser, tu vas voir que King Kester, il faisait du chicken dance, des trucs comme ça. Et c'est ces vieux-là qui travaillaient avec ces gens. Donc du coup, moi, c'est cet environnement où j'ai grandi. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise, plus ou moins. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que je choisis ça comme un sujet pour en parler. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est uniquement parce que aujourd'hui, tout le monde essaye de mettre en valeur leur culture hip-hop dans chaque pays. Tu vas voir que la France, ils ont des documentaires, ils parlent de la culture hip-hop en France. Comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, si tu vas dans Netflix, tu vas trouver des documentaires sur le mouvement hip-hop en France, en Belgique, aux États-Unis, n'en parlons pas. J'ai venu de dire que on va célébrer les 50 ans du hip-hop, c'est en août. Il y a déjà des événements sur ça, il y a des documentaires sur le hip-hop. Mais maintenant, nous, au Congo, on n'a rien. C'est ça, en fait, mon problème. On ne parle pas de notre culture, de la culture hip-hop au Congo, parce qu'il faut se rappeler qu'on a créé notre propre identité aussi. Donc, on n'en parle pas. On a quelque chose dans nos mains, mais on ne sait pas l'utiliser. On n'exploite pas et on fait pas de la gueule sur ça. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit qu'il faut, il faut commencer quelque part. Donc, j'ai commencé avec mon podcast. Le podcast évolue très bien. Et je me suis dit il faut que je me lance dans le terrain pédagogique. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des séminaires, des sessions, des workshops pour parler en fait de ce mouvement. Bien que on est dans des contextes où les gens sont loin du Congo. Ici, les Suédois, voilà, ils connaissent pas très bien le Congo, à peu près. Mais c'est important d'en parler pour que le message en fait soit véhiculé. Et puis il y a des lives qu'on fait, des lives Facebook. On va faire des documentaires sur ça. En fait, il y a plein de choses qui vont venir, en fait, juste pour sensibiliser l'opinion par rapport à notre histoire à nous, du hip-hop. C'est ça. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Donc, la génération montante comprenne, en fait, cette histoire, comment est-ce que ça... Voilà, je pense que c'est une richesse du plan de vie intellectuelle, culturelle aussi. Donc voilà, le point positif. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Je suis disposé à répondre à tes questions. On a 10 minutes. Ouais, ça sert un peu la dernière, mais quand vous parlez aussi de l'époque du Congo, vous êtes focalisé sur Kinshasa. Oui. Comme si la plupart. Comme si, mais le Congo est grand, vous voyez, il y a d'autres provinces et tout ça. Je ne sais pas si... Ouais, parce que j'ai parlé des cas de Kinshasa. Je vais m'expliquer. Okay. Pourquoi? Parce que on considère Kinshasa comme la base, la base du commencement. En fait, pourquoi je dis ça? Si tu interroges des autres rappeurs ou des autres hip-hoppers, si on doit le dire comme ça, dans d'autres provinces, je pense qu'ils vont dire pratiquement la même chose, que eux tous, ils ont commencé à s'intéresser de la culture hip-hop quand ils ont entendu des groupes tels que les Fatima CIA à la télé. Que c'est là où ils ont commencé à s'intéresser à ce mouvement. Mais avant, je pense que c'était un peu difficile pour les provinces. En fait, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que je pense vraiment que tout a commencé à Kinshasa. C'est pour ça que j'ai commencé à parler, je parle que de Kinshasa, parce que aussi, les sources que j'ai, c'est les sources de Kinshasa. J'ai pas des sources des autres provinces. J'ai les sources de Bas-Congo, par exemple, parce que j'ai interviewé des gars comme NNB, la Panthère, qui, lui, est un précurseur du hip-hop au Congo central. Donc, lui, c'est lui qui a commencé à rapper. Avant lui, il n'y avait pas de rappeur. Avant lui, il y avait des danseurs, son grand frère et tous les autres. Mais c'est lui qui a commencé avec le rap. Et lui, il me dit qu'au Bas-Congo, personne ne parlait. En fait, il n'y avait pas des rappeurs.
Et eux, ils entendaient parler du Fatima Seya à Kinshasa. Mais, comme au Congo et comme à Kinshasa ou au Bas-Congo, et au Congo central, c'était toujours quelque chose qui était restreint. L'histoire de hip-hop, cette histoire de hip-hop, ce n'était pas donné à tout le monde. Lui, étant un enfant d'un grand commerçant à l'époque, d'un grand businessman, aujourd'hui devenu un politicien, son papa, et ils étaient des gosses, des riches, quoi, si on doit les dire comme ça. Donc, eux, ils avaient l'antenne parabolique chez eux, ils pouvaient regarder les MTV et tout ça. C'est pour ça qu'ils se sont imprégnés de ce mouvement. Mais tout le reste des gens qui étaient au Bas-Congo, ils n'avaient pas accès à ça. Tu vois? Et c'est la même démarche. Donc, je pense que même à Kinshasa, c'était la même chose. Si vous n'aviez pas la chaîne parabolique pour capter les chaînes, il faudrait avoir quelqu'un qui est en Europe ou aux États-Unis qui vous envoie des cassettes vidéo ou des cassettes audio, ou quand ils viennent en vacances, ils partagent, ils ramènent des bandes vidéo, des bandes cassettes, et les gens copient. Et c'est d'ailleurs comme ça que dans les années 90, le mouvement s'est répandu, parce que tout le monde commençait aussi à copier des cassettes vidéo et tout ça. C'est comme ça que les choses ont grandi. Jag känner Tito sedan ett år nu eftersom vi går i samma linje. Och jag tänker mig att det har verkligen varit spännande att för första gången verkligen se vad han verkligen brinner för och hur väl han kan som presentera ett ämne han verkligen tror på och verkligen tycker om och verkligen som sagt brinner för. Det var häftigt att se han i den rollen. Jag har aldrig sett han ta på sig det ansvaret och verkligen som få med ett helt rum och att verkligen lyssna på det han säger och det han tycker och det att inlevelsen var väldigt spännande både som åskådare men också som tolk att man fick verkligen känna av en ny sida från honom. Han är väldigt bra på att fokusera på punkter som är väldigt viktiga inom ämnet samt dra kopplingar till olika delar av sin presentation. Jag tycker att som sagt det var väldigt spännande. Jag har hört den här presentationen några gånger så det var några saker som saknades som jag hört i andra presentationsversioner som jag tyckte var väldigt spännande, till exempel kontrasten mellan hiphopen i kulturen i Kongo och kulturen i Amerika som inte kom med i den här versionen, men jag skulle jättegärna få veta mer, kanske lite ännu djupare om Kongo specifikt, men också kanske som exempel på hur musiken har utvecklats lite mer konkret så att man ser skillnaden, man hör skillnaden. Det hade varit väldigt spännande tycker jag. Tack så mycket Val. Tack. I really appreciate this workshop. It really feels like it's something very personal in the story and your life, and it's something very alive, so you kind of transmit this passion or this this message that you want, and it
makes me feel more curious about this, about the the hip hop in general, but also in specifically in Congo. And I'm grateful for the opportunity to listen to your project. Salut, je m'appelle Fanny, je suis en Suède en ce moment, je fais du volontariat dans un écolieu dans le sud de la Suède. Et voilà, en ce moment je suis à Stockholm et du coup je viens de participer à cet atelier de Tito qui était super intéressant. C'était sur l'émergence du hip-hop au Congo et surtout l'histoire congolaise aussi et comment les deux sont imbriqués en fait au niveau politique, social et l'influence de la musique. J'ai retenu beaucoup de choses différentes. D'abord, j'ai pu en apprendre plus sur l'histoire du Congo en général. C'est quelque chose avec lequel j'étais pas super familière avant. Donc ça, c'est cool. Je suis contente d'en avoir appris un peu plus. Et après, surtout de voir la situation politique là-bas, comment ça se passait. Aussi au niveau des coutumes, la musique, comment c'était avant. Et après, l'influence des États-Unis à travers ce match de boxe. Quel impact ça a eu, comment les deux se sont mélangés ensemble et ensuite de voir que ça a créé ce nouveau style, cette nouvelle culture qui est le hip-hop et comment ça s'est imbriqué avec les traditions aussi qui étaient déjà présentes au Congo. Et de voir que à travers la musique, ça a aussi un impact social, ça transforme les traditions et les traditions sont transformées par ça en même temps. Et ça, je trouve ça super intéressant de voir cette dynamique-là en fait. J'ai adoré voir la passion pour ce sujet et comment dire la quantité aussi de connaissances sur le sujet, de voir que c'était quelque chose qui était hyper familier pour lui et que voilà en fait ça fait partie de lui, c'est pas quelque chose qu'il a appris quelque part et qu'il veut juste redonner, non ça fait vraiment partie de lui, de son histoire et qu'il a juste envie de le partager parce que c'est bon pour lui. Jag heter Lotta Persson. Jag är lärare på Bromma folkhögskola. Ja, jag har varit på en workshop med Tito som har berättat om hiphopens historia i Kongo. Det började väldigt intressant med information om, eller han berättade om Kongos historia, vad som har hänt där och bakgrunden till att hiphopen blev en accepterad kultur eller kom in i landet kan man säga. Det var väldigt intressant. Jag visste ingenting om hiphop i Kongo eller Afrika överhuvudtaget. Så att, det var som en helt ny upplevelse för mig. Ja, men Tito är väldigt noggrann när han berättar om saker. Det är en utförlig beskrivning av hiphopens historia från start till nu. Så att, han är super. Jättebra. Jag heter Karin Ingridsdotter och jobbar på administrationen här på Bromma folkhögskola. Och idag har vi vår festival Bromma Stock som är en gång om året som är vår skolfestival helt enkelt. Och vi visar upp vad vi gör med olika scener. Det är musik, det är teater, det är performance, det är cirkusskola, det är massa god mat, det är speakers corner, det är you name it. Det finns allt. Jag visste ingenting om hiphop i Kongo. Jag är uppvuxen i Bredäng, sen förort till Stockholm. Så hiphop är jag ju välbevandrad med, men tyvärr så inte mycket från Kongo. Jag är väldigt intresserad av kultur. Så även om det här är min arbetsplats så jag gillar ju såna här saker och går på och sånt på min fritid. Det är en bra liksom möjlighet att folk som kanske annars inte skulle träffas får en mötesplats på olika sätt. Och oavsett vad man är intresserad av finns det någonting för alla. Och det främjar gemenskap och man ser tydligt att även om det är någonting som kommer från Kongo eller från olika delar så är vi samma del av samma folk och samma jord. It makes people come together. Salut, c'est Tito Biteketa, manager culturel. On est effectivement à Bruma, promis. Donc, on avance avec les séminaires et les workshops sur l'histoire du mouvement hip-hop en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on était ici, on a parlé, il y a eu une bonne audience, ils étaient réceptifs et puis il y a eu des bonnes questions. Voilà, c'est un peu à la fête en même temps et
on s'amuse et on travaille en même temps. Donc moi, je m'en vais remercier tous les gens qui ont participé. J'ai remercié aussi l'équipe qui est ici présente. Bobo, Koussa Koussa et les autres, à Kinshasa, Blaise Naluango et les autres, ma structure Free Expression DRC, UPA Podcast, qui sont des partenaires également de notre tournée. On se donne rendez-vous dans d'autres endroits et dans d'autres pays aussi. On est en Scandinavie, mais on compte bien aussi aller dans les pays francophones, que ce soit en Europe ou en Afrique, mais aussi des pays anglophones. Donc voilà, je vous remercie et on se capte.